Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, je pète le feu. Franchement, je suis en pleine forme. Très contente d'être là, de vous savoir là. Merci pour vos commentaires. Merci de me suivre. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous lire. C'est toujours agréable. Aujourd'hui, est-ce que la complicité est au rendez-vous dans votre couple? Est-ce que vous aimeriez obtenir plus de complicité dans votre couple? Le contraire de la complicité, ben c'est l'adversité. Donc, est-ce que votre partenaire est devenu votre adversaire? Est-ce que vous êtes en train de vous en faire un adversaire? Comment obtenir plus de complicité? Ben c'est simplement en vous cherchant un complice, en cherchant à vous en faire un complice. OK, prenons un exemple. Mettons que je veux faire un cadeau surprise à mon partenaire, OK? Je veux lui organiser une fin de semaine d'amoureux sans qu'il le sache. Donc, j'ai besoin de la complicité de d'autres personnes pour y arriver. Parce que pour mettre le projet de l'avant, je dois m'assurer qu'il va pouvoir être disponible. Donc, m'assurer qu'il va pouvoir prendre congé cette fin de semaine-là, qu'il n'y aura pas de demande extérieure. Donc, je n'aurai pas le choix de faire intervenir d'autres personnes qui vont m'assurer que, bon, c'est ça, qu'il soit disponible de son boulot, qu'il va pouvoir se libérer, qu'il n'y aura pas d'autres engagements. Bref, je vais devoir me faire des complices pour que fonctionne mon projet. Puis ça, je suis certaine que j'aurai aucun mal à obtenir la complicité des autres. Pourquoi? Parce que je suis habitée par ça, par ce projet-là et par cette intention-là. Comment se fait-il d'abord que j'ai autant de difficultés à obtenir la complicité d'une seule personne? Et ça, c'est notre partenaire. Bien, tout simplement parce que j'ai des attentes, parce que mes demandes ne sont pas claires. Parce que je prends pour acquis qu'il le sait ou qu'il devrait le savoir. Il me connaît assez, je n'ai pas besoin de le dire. Inconsciemment, par mes non-dits, je m'en fais un adversaire au lieu d'un complice. Si je veux que mon partenaire soit un complice de certaines choses, je dois avoir pour objectif de m'en faire un complice. C'est juste un changement de mindset, dans le fond. C'est juste un changement de perception de la situation. Vous voulez apprendre comment transformer votre perception, votre mindset, pour obtenir plus de complicité et transformer votre relation de couple de façon beaucoup plus satisfaisante? Bien, je vous invite à venir vivre l'expérience de vivre le 7e ciel. Les portes vont ouvrir bientôt, c'est-à-dire le 20 janvier prochain. Mais demain, je vais répondre à la question suivante. Est-ce que vous avez peur de vivre une autre rupture amoureuse? Est-ce que vous êtes présentement en pleine prise de remise en question dans votre couple? En attendant, bien, je vous invite à aller visionner la vidéo de présentation que je vais mettre en lien en dessous, ainsi que le lien pour le webinaire en utilisant ce que j'ai mis en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous envoie des gros bisous, je vous dis merci, je vous adore et à demain. Ciao!